Bienvenue sur le plateau d'informatique News pour notre rendez-vous hebdomadaire, euh, l'invité de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons le, le plaisir de recevoir euh, Émilie Silikian, qui est euh, directeur, directrice générale de Salesforce France. Émilie Silikian, euh, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on, on, on commence toujours, et j'espère qu'on va bientôt en finir, mais toujours à parler un peu de cette gestion de, de crise qui, euh, dans laquelle on est depuis maintenant plus d'un an, hein, près, près d'un an et demi. Et il se trouve que vous êtes arrivé chez Salesforce Force, en, en pleine crise, parce que vous, êtes, vous y êtes depuis le, le mois de mars. Donc, dans quel état vous avez trouvé l'entreprise qui avait déjà un, un an de, de, de Covid derrière elle, et, et comment vous préparez l'après, l'après on commence à voir les, les, les premiers effets, si je puis dire. Tout à fait. Ben, merci déjà de me recevoir ce matin. Euh, effectivement, j'ai pris mes fonctions euh, dans, dans un cadre où les bureaux sont toujours fermés. Donc déjà, j'ai pris soin de comprendre comment le plan euh, de, de Salesforce a, a, avait été réalisé pour les employés, qui a été vraiment la priorité numéro une. Donc, c'était le travail à domicile pour tout le monde. Euh, ça a été des aides euh, pour faire en sorte qu'on puisse euh, installer un bureau euh, pour chacun des employés. Donc, il y a une enveloppe de 500 euros qui a été fourni à l'ensemble des employés. Il y a une aide pour ceux qui ont des enfants. J'étais très heureuse de voir ça. C'est 500 euros par mois pour chaque employé qui a des enfants pour les aider à mieux gérer le travail à domicile et la vie familiale. Il y a des aides sur le stress et le fait de dire qu'il faut aussi s'occuper de soi et avoir, par exemple, 100 euros pour pouvoir faire du sport ou un cours de yoga. Donc j'étais vraiment très surprise de voir un Salesforce qui a pris vraiment. Soin de ses employés. Et je comprends mieux pourquoi ça euh, fait quatre années de suite qu'ils sont euh, Great Place to Work. Effectivement, quand je suis arrivée, euh, j'ai pris soin immédiatement de lancer des groupes de travail virtuels pour aller à la rencontre des employés. Et donc, euh, c'est ce que j'ai appelé des focus groupes. Je leur ai envoyé une lettre euh, ouverte euh, par email et je leur ai proposé de venir à leur rencontre où qu'ils soient, parce qu'en fait, il y a des bureaux à Paris mais aussi dans les régions, et pour mieux comprendre leur état d'esprit, euh, où est-ce qu'ils en étaient aujourd'hui dans leur Projet professionnel et comment ils ressentaient le contact avec leurs clients. Mais tout ça en virtuel, évidemment. Et tout ça en virtuel. Et ça m'a pris à peu près un mois et demi pour voir tout le monde. Mais c'était important pour moi de nouer ce contact, même s'il était virtuel, mais d'être à l'écoute et d'avoir leur, leur regard sur. sur où Salesforce en était aujourd'hui. La deuxième action était aussi d'aller à la rencontre des clients. Et donc, pour le coup, beaucoup de nos clients avaient des locaux qui étaient ouverts, donc j'ai pu nouer des contacts rapides en physique. Ah. Et donc ça, ça fait plutôt du bien. Et donc, c'est à peu près cinq clients par semaine que je m'impose depuis mon arrivée pour faire en sorte aussi d'être à l'écoute de l'image de Salesforce où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment on peut s'améliorer. Et enfin, c'est aussi nos partenaires, puisque Salesforce, c'est un éditeur de logiciels, mais qui peut accomplir sa promesse et son impact chez le client grâce à des partenaires qui l'implémentent. Et pour ce faire, c'est un peu la même règle, cinq partenaires par semaine, que ce soit des grands ou des petits dans les régions, et pour faire en sorte de mieux comprendre comment collaborer. Et alors que, comment vous préparez cette sortie de crise on, comme on, on voit bien qu'en septembre, les choses vont vraisemblablement rentrer à peu près dans l'ordre. Ouais. Euh, est-ce que vous pensez que vous allez retrouver, alors vous ne connaissiez pas la vie d'avant de Salesforce, mais est-ce que vous pensez que Salesforce va revenir là où elle en était avant ou on va être dans un mode de fonctionnement un petit peu hybride Alors c'est un très bon point parce que c'est une forte attente des employés, c'est de revenir dans les bureaux. Pour voir les collègues. Pour voir les collègues. Et donc du coup, je m'attèle à ouvrir euh, alors, des bureaux qui sont à Lyon et à Nantes. Donc ça, ce sera effectif en principe à partir du mois de juillet. On a Paris et Grenoble, puisqu'on a aussi un centre de recherche extrêmement fort euh, qui a 8 ans d'existence en France sur le site de Grenoble. Et en fait, l'objectif, c'est de vraiment laisser le choix aux employés de revenir comme ils le souhaitent. Et donc du coup, de pouvoir choisir de 1 à 5 jours. Euh, en moyenne, euh, ce qu'on a c'est que les employés veulent plutôt revenir entre deux et trois jours, le mercredi, le jeudi. Euh, à, presque à temps plein, et puis le mardi. Donc, on voit que le lundi et le vendredi autour du week-end, ils préfèrent euh, concilier euh, la vie professionnelle et, et le départ en week-end. Donc, là, c'est la semaine de deux jours qui, euh, qui s'annonce, là. Mais, oui, mais sauf qu'en <laughs> fait, on a observé pendant toute le Covid qu'il n'y avait pas de déperdition de productivité. Oui, les gens travaillent plus. Les gens pas. travaillent plus. Donc, c'est pour ça qu'il fallait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer à prendre soin, euh, en termes d'aide et de support, nos employés à la maison, parce que la productivité est et même trop bonne, donc il faut aussi arriver à nuancer cela et, et également réaménager les locaux pour que ce soit des, des environnements de convivialité, euh, des, des, des séances où on est en contact avec nos collègues pour de la culture d'entreprise, hein, valoriser les valeurs de, de Salesforce et également faire le brainstorming dans tout ce qui va être autour de la créativité. D'accord. Donc euh, vous pensez qu'en septembre, vous allez retomber sur vos deux pieds et que les choses vont rentrer un peu dans l'ordre C'est un peu ça le message Je l'espère, tout à fait. Très bien. Alors on, on, évidemment, on va parler de, de Salesforce un peu plus dans le détail. Euh, si je vous avais reçu il y a trois ans et, et je vous avais demandé comment vous présentez Salesforce rapidement un DSI qui vous connaîtrait pas ça peut ça peut arriver ça aurait été simple vous auriez dit on est le leader du CRM donc c'est c'est assez facile aujourd'hui c'est plus compliqué vous avez fait quand même pas mal de rachats vous avez racheté MuleSoft, vous avez racheté Tableau vous avez racheté Slack tout ça pour 50 milliards de dollars enfin à la, à la louche euh, ça fait beaucoup mais ça, ça diversifie considérablement l'entreprise et donc si vous aviez en, en deux trois phrases euh, la possibilité de présenter Salesforce qu'est-ce que vous diriez alors je dirais que Salesforce est le pionnier de la, non pas du CRM, mais de la gestion de la relation client de bout en bout dans le cloud. Euh, L'histoire de Salesforce, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une stratégie d'innovation. Avec des achats externes, plus de 80 acquisitions depuis les 22 dernières années. Mais elles sont logiques. Il y a un axe directeur qui est systématiquement d'intensifier les fonctionnalités autour de l'expérience client. On est un prospect, on le transforme en client, on doit savoir l'accompagner sur la notion de service, donc c'est la pré-vente. On doit savoir l'accompagner quel que soit le multicanal, on capture de la donnée, on fait de la gestion de campagne marketing. Donc là, on a vraiment une notion de vision 360. 60 du client et qui vient s'agrémenter comme vous l'avez dit avec un mule soft par le bas pour pouvoir être en capacité d'intégrer facilement et de connecter la donnée client dans un écosystème de données de l'entreprise et un tableau qui va venir euh, 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 exploiter cette donnée pour offrir un, un dashboard de décision ou un tableau de bord pour faciliter la prise de décision pour du management ou un comité de direction. Donc en, en gros, vous, si, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que finalement vos, ces acquisitions vous ont permis d'enrichir cette gestion de la relation client de bout en bout et de, de l'enrichir à, à la fois en, en bas, si je puis dire, avec Mulsoff les applis et en haut avec tableau. Voilà. C'est un peu ça. C'est une une largeur au niveau de fonctionnel qui a été, été faite et une profondeur de fonctionnalité pour arriver vraiment à, à personnaliser l'approche client euh, euh, et, à, et à la rendre euh, plus immédiate. D'accord, donc on ne perd pas quand même cette notion de gestion de la relation client qui est quand même le fondamental. de Le de fondamental. D'accord. Alors après, vous avez parlé de Slack, mais peut-être qu'on en parlera peut-être un, un petit peu après, mais effectivement, ça peut annoncer un second volet. Ben Allez-y. Donc, là, on, voit, on voit en fait qu'on a quelque chose de très cohérent sur la gestion de la relation client, oui. de bout en bout, qui est facilement accessible, qu'on peut plugger au niveau de, des données de l'entreprise et de la cartographie IT, qui est souvent complexe quand on parle de grands groupes. Un Slack qui arrive, va permettre de repenser l'expérience client, donc toujours dans cette même logique, pour rajouter des nouveaux canaux qui seront plus, encore plus immédiats que l'email, le e-commerce ou le mobile. Mais on sent aussi qu'il y a une réciprocité des attentions entre l'expérience client et l'expérience employée. Et quand vous avez euh, euh, un outil comme cela qui permet d'avoir euh, un un, de la collaboration à outrance, plus un work.com euh, qui, euh, qui sert aussi justement au re retour au Covid d'organiser la gestion des flux des employés dans l'entreprise, plus un concierge qui a un module digital où vous posez n'importe quel type de questions. Vous avez un problème informatique, vous avez un problème de RH, vous avez une porte d'entrée au niveau de la gestion de l'employé. Ça peut aussi annoncer... Euh, euh, une expérience renouvelée de l'employé. Mais alors justement, bon, on, on, finalement, on, on est. Je allé vous poser toutes ces questions, mais est-ce que vous allez euh, vous parler de gestion des employés Donc c'est le, le HM on en anglais. Donc euh, on, ça, c'est un, un, une, une activité, et puis à la gestion de la relation client. Est-ce que vous pensez que les, les deux, les deux vont, vont se fondre dans une même et, et seule application ou solution ou expérience en fait, utilisateur tout à fait Je pense que euh, c'est déjà un petit peu le cas. Parce en fait, quand on utilise, qu'on on a, on a la vision du client sur lequel on doit proposer une expérience sans couture, quel que soit le, le canal. Mais en utilisant des outils très numériques, très digitaux comme Salesforce, ça change aussi la manière d'opérer. En interne pour l'employé, euh, donc la façon de travailler devient beaucoup plus horizontale, et donc c'est pas juste un choix de technologie, c'est aussi un changement de posture managériale et un changement de culture d'entreprise. Et donc il y a tout un, un accompagnement autour de l'adoption de la technologie qui s'opère euh, parce que on, on décloisonne quelque part l'entreprise. D'accord. Et alors donc ça veut dire que vous allez intégrer Slack à, à, à tout cet ensemble. Et, Exactement. Et ça c'est à quel horizon à votre avis Alors. Je ne sais pas. Déjà, l'annonce a été faite de Slack l'année dernière et la finalisation oui, est, est prévue. Récent, oui. Exactement, c'est récent et c'est prévu pour fin juillet, enfin, courant d'été. Donc, je pense qu'on laissera Marc Beignoff annoncer les, okay. les nouveautés autour de l'intégration de Slack. On lui posera la question, peut-être. <laughs> euh, alors, maintenant, on va commenter l'actualité récente. Il y a eu trois annonces qui ont tenu un peu mon attention. Il y avait Dynamique Interaction. Donc, ça, c'est une proposition de solution low-code. Donc, c'est très à la mode, hein, low-code, no-code. Euh, il y avait Digital 360, donc ça c'est une solution pour la transformation numérique. Et puis il y avait Hyperforce qui a été un, un, annoncé un petit peu plus en avant, donc c'était en décembre dernier. Est-ce que vous pouvez en quelques mots dire en, à quoi correspondent ces, ces trois annonces bah, euh, Digital 360, c'est un petit peu ce que je vous expliquais. Si on n'est plus juste un CRM, on est vraiment sur une vision complète de l'expérience client en euh, synchronisant l'ensemble des données et pouvoir faire de l'hyperpersonnalisation, euh, euh, quel que soit le secteur, qu'on soit euh, dans la santé avec un parcours de patient, qu'on soit dans une école pour un parcours d'un étudiant, ou qu'on soit dans l'entreprise avec un parcours d'un client. Les autres annonces qui ont été faites, notamment Hyperforce, c'est vraiment de venir aussi faire en sorte que cette plateforme qui est déjà très ouverte, puisqu'il y a de l'innovation avec des ISV, il y a un peu plus de 6000 ISV au niveau mondial qui, 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 qui viennent compléter l'offre. Donc c'est des applications tierces qui peuvent être plugées Ce sur sont des, effectivement des vendeurs de logiciels indépendants qui viennent avec leur propre innovation, qui connaissent très bien le produit de Salesforce et qui, quelque part, créent des, des, des mmh. nouvelles fonctionnalités. Donc c'est déjà une plateforme qui est très ouverte. En revanche, l'infrastructure, elle elle, était, elle avait besoin de pouvoir s'ouvrir aussi à l'écosystème de nos clients. Et souvent, il y avait des choix avec un AWS qui était déjà là ou un Azure qui était déjà là. Et donc là, l'objectif d'Hyperforce, c'est vraiment de unifier l'infrastructure structure de Salesforce et la rendre ouverte pour la rendre portable sur un AWS ou sur n'importe quel provider de cloud. Donc là, on est vraiment dans l'informatique pure et dure, c'est de la réécriture de, de code pour, avec cet objectif-là. Exactement. Et alors le, le troisième élément, c'est dynamique interaction, donc là, on est dans le low-code. Euh, Qu'est-ce qu que vous C'est la première fois que je crois que vous allez sur ce terrain-là. Qu Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être amené à se développer Si on entend, si on écoute le Garner, c'est en tout cas c'est ce qu'ils disent. Bah, vous avez tout à... Alors, Je vous parlais des ISV, par exemple, dans Vous avez euh, la plateforme fonctionnelle, puis vous aviez déjà des, des, des personnes qui venaient et qui développaient avec une boîte à outils. Donc, ça veut dire qu'il fallait pas faire polytechnique pour venir et développer des, euh, des fonctionnalités. Et effectivement, ça s'intensifie, euh, ça s'intensifie. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle Trailhead et qui met à disposition de manière gratuite et accessible pour tous euh, euh, comment utiliser du Salesforce. Et donc ça permet aussi de répondre à cette notion de low-code, de dire on, rend, on veut que la technologie soit euh, accessible de tous, qu'on soit euh, euh, un expert. Euh, ou non, euh, et réduire la, la fracture du numérique. Il faut quand même que la, la DSI veille au grain, parce que si les gens font un peu n'importe quoi, euh, il faut, faut quand même vérifier certaines règles de conformité. Enfin, des, 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 il ne il faut pas laisser les gens l'abriter sur le coup, je suppose. Quand même. Il faut. Alors, elle, elle, tout à fait. Un... Ça veut dire qu'elle peut se faire dans le contexte d'une entreprise avec ses propres règles euh, euh, de, de, de sécurité, mais c'est aussi une plateforme qui est accessible à tout le monde. Et ça, c'est important pour nous en termes de valeur, c'est que euh, l'éco système Salesforce, on cherche aussi à euh, ramener à l'emploi autour de la tech. Et ça, c'est un sujet qui, qui est vraiment important. Euh, un, on a 48 000 emplois en France aujourd'hui qui sont autour de Salesforce, au-delà de nos propres employés, mmh, mmh. qui sont chez nos clients, qui sont chez nos partenaires. La projection IDC donne quoi À 2024, c'est 154 000 emplois en France. Et donc, du coup, le fait de pouvoir faire du low-code, le fait de pouvoir faire de la formation accessible, que ce soit en, en français ou en anglais, permet quoi de La reconversion professionnelle, permet de la réinsertion sociale, et permet aussi de venir attirer les jeunes au niveau des écoles, en proposant des cursus de formation accessibles, sans avoir fait forcément une école d'informatique. D'accord, très bien. Alors, je, je, je change un petit peu de sujet, là. Je, je reviens sur le, la, la, la troisième édition du, du rapport que, que publie le Sigref maintenant, tous les ans, euh, qui est, se penche sur les, les relations entre les DSI et enfin les DSI des grandes entreprises puisque c'est le CIGREF, et puis les grands fournisseurs donc les grands éditeurs de logiciels dont Salesforce fait désormais partie et puis les, les grands opérateurs de cloud. Et donc euh, c'est un rapport qui cette fois-là est assez critique. Évidemment, il tient compte de la crise qu'il y a eu et il note quand même que les, les fournisseurs ont fait un effort, mais euh, ils sont quand même assez critiques sur les relations commerciales un petit peu difficiles. Et alors vous, vous concernant, donc je, je lis ce que j'ai repris les, les, les éléments. Euh, donc il parle d'opacité du fournisseur sur les options et le pricing. Euh, il parle de relativement de compétences techniques. Euh, difficulté de gouvernance de contrat, donc ça c'est plutôt pour les grands contrats pour les entreprises mm -hmm. internationales. Et enfin, euh, solutions et modèles pas toujours matures et promesses de valeur euh, pas toujours démontrées. C'est-à-dire qu'en gros vous vendez beaucoup plus que ce que vous proposez en, en réalité. C'est ce que dit le Sigref. Euh, comment vous entendez ces critiques euh, Est-ce que vous, de, par l'expérience que vous oui. avez pour Salesforce, est-ce que vous pensez qu'elles correspondent à une certaine réalité et, et si oui, comment vous allez faire pour... pour ça bah, Tout d'abord, j'ai beaucoup de respect pour le SIGREF et on travaille avec eux. On a un groupe de travail qui, justement, euh, qui alimente les réflexions aussi autour de, de, de technologies telles que Salesforce. Euh, et il faut les écouter, il faut les entendre. Aujourd'hui, je pense qu'on euh, a une telle croissance euh, et une telle vision technologique avec des investissements forts pour systématiquement repenser l'innovation produit qui fait qu'il faut aussi euh, accepter qu'il y ait un temps de latence, d'intégration. Euh, si je prends l'exemple de Mulsoft, Mulsoft, ça a été un rachat en 2018, mmh. euh, en en termes d'intégration, que ce soit les organisations, les systèmes, voilà, au bout de deux ans, ça y est, ça a été intégré. Et on voit que euh, il y a une pollinisation croisée en termes de R&D entre un MuleSoft et un Salesforce qui est en train de s'opérer. Mmh. Donc, on vient prendre des briques de chaque côté et on repense le produit. Et effectivement, quand on fait un rachat et qu'on a une intégration, il faut laisser le temps au temps. Donc, c'est peut-être une perception où ça va pas assez vite. Donc, on s'y euh Et ça, je pense que c'est euh, c'est un, un premier point la deuxième, c'est que on a eu aussi un virage stratégique. 2020 marque un changement aussi pour Salesforce. Euh, on a vu arriver un Gavin Patterson, euh, qui est le patron mondial des revenus, qui était l'ancien CEO de British Telecom. On a euh, un Denis Terrien, qui était aussi ancien CEO et qui est arrivé sur la partie Europe du Sud. Et ça montre quoi C'est qu'il y a une prise de conscience de Salesforce, qu'il faut effectivement pas que s'arrêter à une démarche commerciale et une vente de logiciels, mais vraiment démontrer l'impact que ça peut avoir pour l'entreprise. Et donc je pense qu'on va de plus en plus vers cette histoire de succès client, de, de, de réalisation de valeur, pour faire en sorte qu'on soit plus pertinent pour chacune des industries. D'accord, donc en gros, vous entendez ces critiques et vous les mettez un peu sur le compte des, on pourrait dire, effets collatéraux du développement rapide de l'entreprise. C'est un, voilà. un peu ça l'idée C'est ça, c'est un petit peu le, le, le fait qu'il y a... Il y, a une, il y a un, un, un tel développement rapide qui soit produit ou même organisationnel au niveau mondial euh, qu'il y, 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 y a un pas d'organisation euh, à accélérer pour répondre aux attentes des clients qui, avec la crise aussi, sont, sont très en attente. C'est que l'urgence du digital, c'est un acquis. Là, aujourd'hui, c'est on veut un produit qui marche, le choix d'une plateforme telle que Salesforce, quand on, on parle euh, des clients. C'est les, les premiers investissements qu'on effectue pour, pour structurer l'économie du rebond. Euh, et donc, pour ce faire, il faut effectivement qu'on soit à la hauteur des attentes en disant, ce n'est pas qu'un choix technologique, démontrez-nous démontrez pardon, de la valeur. Et pour ce faire, ce que je souhaite en France, c'est faire non pas une direction commerciale française, mais faire Salesforce en France, avec un écosystème de partenaires qui nous permettent euh, euh, de réaliser cette promesse et de mettre plus de différenciation industrie pour améliorer la pertinence pour nos clients. D'accord. Euh... Très bien. Donc finalement c'est pas c'est pas irrémédiable et on, on, on regardera avec euh, un intérêt tout particulier la quatrième édition de ce rapport pour voir s'il y a eu des, déjà des, des, des corrections. Euh, vous avez alors on, on continue sur cette idée de développement très très rapide de l'entreprise et effectivement vous avez des vous, vous donné des chiffres qui sont quand même assez euh, assez étonnants. Je crois que vous vous voulez doubler en cinq ans de, de, de chiffre d'affaires donc il faut faut y aller. Enfin faut oui. si je puis dire dans, de manière un peu euh, un peu triviale. Euh, et, et et quand on regarde le, le, le rapport annuel, donc il y a, je, je lis, et, et en, en gros, c'est aller dans de nouvelles euh, activités, donc on, on voit bien toutes les activités qui ont été faites et puis euh, aller aussi sur les verticaux c'est à dire en, en gros développer des solutions un peu spécifiques euh, par secteur et vous avez déjà un peu répondu à la question mais euh, est-ce que maintenant que vous avez quand même pas mal de briques euh, qui commencent à être un peu imbriquées est-ce que finalement vous allez euh, vendre cette, bri... enfin, cette solution comme une sorte de plateforme sur laquelle on peut pluger des, des briques ou est-ce que vous allez conserver cette euh, euh, finalement c'est une, une espèce de, de samaritaine IT où on peut trouver un peu tout ce qu'on qu souhaite Alors, euh, déjà, on a un degré de maturité sur le, sur le numérique euh, qui peut être très différent sur le marché. Et en fonction même des segments clients, une attente d'une start-up, ce n'est pas forcément la même euh, qu'une attente d'une entreprise du CAC 40. Et donc, euh, on garde la flexibilité de pouvoir euh, répondre à un besoin client parce que c'est la gestion de campagne marketing, donc c'est marketing cloud euh, si c'est sur le e-commerce ben voilà ce sera commerce cloud donc on garde comme cette souplesse pour répondre à un enjeu Ponctuel. En revanche, effectivement, la puissance de la solution Salesforce, c'est vraiment quand elle est de bout en bout pour répondre à un enjeu métier et qu'on puisse démontrer la capacité à impacter la satisfaction client au travers d'une augmentation du net promoter score, d'augmenter des revenus, quelles que soient les zones géographiques. Et ça, ça nécessite d'avoir une source unique de données autour du client. Donc il y a les deux modèles qui sont ouverts et qui permettent de répondre euh, à, aux, aux enjeux de, de, de nos clients. Certains n'ont pas du tout euh, investi dans le digital, ils ont besoin tout de suite de se mettre au pas. Et dans ce cas-là, ils prennent une solution qui est intégrée tout de suite avec les briques de base. Euh, D'autres ont déjà investi et viennent sur de la sophistication. Et donc là, on va, on va venir apporter euh, des, des différenciations au marché. Par verticaux, comme vous l'avez cité, et puis euh, et, et on a et on a encore aussi cette cette plateforme qui est ouverte qui permet aussi aux entreprises de garder euh, la flexibilité de pouvoir eux-mêmes développer leurs propres euh, services ou fonctionnalités qui leur manqueraient. D'accord. Alors il y, a, il y a deux éléments que je voudrais voir avec vous encore. Euh, le, le premier, c'est tout tout ce qui tourne autour de, de la, ré, la réponse actuelle de l'Europe le, au niveau du cloud, parce qu'on voit bien que les acteurs européens du cloud sont, sont quand même très faibles par rapport aux, aux grands opérateurs américains et, et même chinois. Donc il y a une réponse qui est en train de se faire avec le projet GaiaX. x en France, il y a eu les initiatives de, à la fois de sécurité et puis de cloud de confiance. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous répondez à, à tout toutes ces attentes, j'irais pour ce qui concerne la France, des entreprises françaises qui veulent que leurs données soient, soient en France et qu'elles soient gérées depuis la France. Alors déjà, la confiance fait partie des quatre valeurs fondamentales de, de Salesforce. Hein. Donc, il y a la confiance, il y a l'innovation, le succès client et l'égalité. Sur la confiance, euh, la, la manière dont, dont on l'aborde, c'est 2 des investissements sont sur la sécurité de la plateforme. C'est deux fois plus que n'importe quelle grande banque internationale hein, euh, en, en, en termes de, de montant financier. Et elles elle s'opère comment Ces investissements sont portés sur quatre leviers. Le premier qui est bah, la sécurité en, en tant que telle de la plateforme et de faire en sorte qu'elle réponde aux normes ISO et qu'elle soit euh, extrêmement sécurisée. Il y a un deuxième levier autour de la fiabilité et qu'elle puisse répondre euh, en temps réel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, il y a un levier sur la performance, d'où euh, le fait d'hyper de pouvoir aussi proposer des alternatives de stockage euh, en fonction des besoins du client. Et le dernier, c'est aussi la transparence. Parce que quand on parle d'un cloud de confiance, c'est aussi montrer euh, en direct à, aux clients les audits, que ce soit euh, un KPMG ou un IWA qui fait des audits sur, sur la plateforme, que ce soit euh, les rapports de l'ACNIL concernant euh, le stockage des données sur Salesforce. Et ça fait qu'il euh, y, y a une politique, en tout cas, très forte chez Salesforce autour de... De la sécurité de la plateforme. Mais alors, dans, quand vous, parlez, vous avez parlé du cloud, vous avez mentionné AWS, Microsoft, mais il y a aussi oui, des acteurs ouais. européens. Donc, est-ce que vous ouais. allez travailler Je pense à OVH, bien sûr, c'est le premier qui vient à l'esprit, mais ouais. est-ce que vous allez travailler aussi avec eux Bah, on verra. Euh, c'est une option, effectivement. On a aussi un data center qui existe déjà sur l'île de France et qui était le premier data center d'un opérateur cloud étranger, et c'était Salesforce. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on arrive à intensifier ce, ces relations avec les cloud providers. Euh, tel qu'il soit. Le premier a été AWS, euh, déjà annoncé, et donc on, il faudra qu'on suive les annonces faites au niveau global. Très bien. Alors le, le dernier point, c'est je reviens un peu sur sur cette idée d'objectifs de, 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 extrêmement ambitieux de, de l'entreprise. Euh, si, si on regarde les chiffres, vous restez quand même une, une entreprise très américaine puisque euh, 70% de vos chiffre d'affaires est encore élyséens. Ils disent donc c'est beaucoup Microsoft, c'est que 50%. Euh, et, et pour ce qui concerne donc ça veut dire qu'il va falloir euh, se, se développer et en particulier se développer à l'international. Donc l'international pour vous c'est la France bien sûr et, et pour pour ce qui vous concerne, vous, vous venez du monde du conseil euh, et euh, Salesforce en France a racheté deux entreprises, Sen Consulting et puis Velocity. Euh, Est-ce que ça veut dire que pour ce qui concerne la France, votre objectif, euh, enfin un des moyens de se développer, va être précisément de se développer dans, dans, dans le conseil et, et le service Alors, tout d'abord, vous avez raison de le signaler. Il y avait les États-Unis et puis un petit peu le reste du monde. C'était à peu près il y, a, il y a quelques années. Maintenant, il y a États-Unis. Il y a l'Europe et le reste du monde. Et on voit que l'Europe devient un, un, une zone mature pour Salesforce, avec trois pays phares, dont la France. Et donc la France, aujourd'hui, c'est 2 milliards d'investissements. Euh, et moi, dans mon rôle, je cherche aussi à rendre Salesforce en France, et donc à tirer les capitaux euh, euh, de Salesforce pour la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de velléité. À faire du service. On a un réseau de partenaires en France. On a 150, un peu plus de 150 partenaires qui couvrent l'ensemble des zones géographiques et qui permettent justement d'implémenter nos solutions au plus au plus proche de nos clients. En revanche, pourquoi prendre un profil comme le mien, si c'était votre question oui. pour un Salesforce C'est d'arriver avec un nouveau regard et justement de passer d'une logique produit à une logique beaucoup plus tournée solutions qui répondent aux enjeux de l'entreprise et des métiers euh, dans cette transformation qui est en train de s'opérer d'un monde industriel vers un monde de services euh, euh, post-crise. Euh, et c'est également le, le, le fait de pouvoir euh, montrer que c'est pas uniquement une, un choix de plateforme technologique, mais c'est aussi un impact sur des indicateurs financiers précis, de l'entreprise. Je comprends votre remarque vous concernant, mais pour ce qui concerne le rachat de ces deux entreprises de conseil, alors, quel, quelle est alors, la motivation Kérensen était euh, il y a quelques années. Et alors, pourquoi Kerensen Parce qu'en fait, il y a une organisation qui est dédiée euh, succès client. ça s'appelle comme ça une organisation succès client qui est là pour assurer l'adoption de la technologie qui est là pour faire en sorte que euh, euh on soit on soit pas juste connecté au système mais que les usages métiers soient bien opérés par les donc par Donc ça, ça va les les dans la même logique que ce que vous inquiétez. avant. Exactement. Et euh, et quant à Velocity, Velocity était un ISV donc était euh, une solution logicielle verticale qui opérait sur les utilities et les télécommunications. Le patron de Velocity euh, euh, David Schmeier a d'ailleurs pris et euh, désormais le responsable mondial produit. Donc ça revient à votre point de tout à l'heure, qui est de dire on a non seulement une, une plateforme de bout en bout client, mais qui est en train de se verticaliser, quelle que soit l'industrie. Pour répondre aux enjeux de nos Donc, clients. on peut éventuellement s'attendre à des rachats de Velocity dans la, dans la banque, Velocity dans l'automobile, des choses comme ça. Enfin, ça, ça peut laisser la porte ah, ouverte à ce genre de Des chose. rachats ou euh, des réplications de l'approche euh, euh, par secteur. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de, de se revoir d'ici un an après la publication du, du rapport du, du, du CIGREF du pour voir si arriver. vous avez <laughs> corrigé le tir. En tout cas, Émilie Cilican, merci beaucoup. Merci Merci à vous.